Et bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui il va falloir que j'avance un petit peu. Alors, il me semble que Zep travaille encore un petit peu sur la technologie. Oui, il a encore beaucoup à faire. Il a quelques heures hein, quand même. Qu'est-ce qu'il me reste? Armure 7. Juste pour voir quand même, je crois que j'avais fait. Il y a juste Ninja Training, ok. Lockpit. Athlétique, ok. Donc quand même quelque chose ici, peut-être que je vais pouvoir fabriquer après. Ensuite, c'est tous les trophées, farming. D'accord, ça à voir aussi. Je vais juste quand même mettre Ninja Training en haut. On va mettre là en deuxième. Le carreau normaux, ça on s'en fout. Il va falloir aussi que j'achète de la nourriture. Déjà un petit peu pour tout le monde. Je vais voir ici ce qu'ils ont déjà. Et puis, est-ce que je vais tenter de faire du vol avec Jean? Mais ça, je pense que je vais le faire quand même à part. Alors ça, c'est pour moi déjà. Et je crois qu'il peut pas manger si c'est dans le sac. Oups. Il faut que ce soit là. Je suis plus sûr, mais il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Nous avons Nat qui n'a rien non plus. Zep, lui, il reste encore un paquet de rations. Et ici, après. Ouais, bon, allez, vas-y, je vais mettre ça. Comme ça, on est tranquille. Et puis, celui-là. Ok. Ça me coûte un peu cher, mais c'est pas grave. Il faut ce qu'il faut. Par contre, en soins. Ouais, ça ira. Là, on est 4. Soit je repars et puis je vais m'entraîner un petit peu. Strange Camp. Limpa, c'est déjà quoi ça? J'ai pas vu ça, non? J'ai Skin, c'est là-bas. Mais je sais qu'il y avait des. J'avais vu un campement. J'avais croisé un campement. Il était où? Alors, ça, je pense que c'est la tour des ninjas. Alors là, par contre, je vais pas me le faire tout de suite. Ou alors est-ce que j'irais plutôt par là-haut un petit peu, Golfe de Crâne, et voir un petit peu ce qui se passe par là-bas, parce que je sais qu'il y a une autre ville. Il y en a d'autres encore un petit peu plus haut. Mais faut pas trop que je m'éloigne, parce qu'en tout cas les marécages là, ça va pas bien se passer pour moi. Je compte rester quand même par là, mais c'est bizarre parce que j'avais vu vraiment. Mais par là, il y avait un campement par là. De bandits poussière. Et Jean, je crois qu'elle sait se battre aussi. Donc j'ai Jean, Griffon et moi-même. Et puis Nat aussi un petit peu. Bah écoutez, pourquoi ne pas aller se battre un petit peu quand même? Il faut qu'on continue un petit peu à s'entraîner. Allez, on va faire ça. On va retrouver ce campement. Bon là j'enregistre un peu tout le matin, donc j'ai un peu ma voix cassée. C'est tout à fait normal là. Allez, on va voir où se trouve ce campement. Ah, tu sais, j'ai une grosse envie de lambeaux de cartilage séché là tout de suite. C'est qui dit ça? Ok, je comprends. Voilà, là-bas, il y avait un campement. Mais pourquoi il n'est pas indiqué? Bah si, il est là. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais en attirer quelques-uns. C'est-à-dire que ces trois-là, pour le moment, vous allez vous éloigner. Et puis, je vais en attirer quelques-uns, moi. Voilà, déjà, on en a deux. Voilà, quatre, c'est parfait. Trois. Allez, cagnotte, tu vas t'en prendre un petit peu plein la gueule au début. Il va sûrement tomber, cagnotte. Je crois qu'on va tous tomber en fait. Bon, il reste Zep, si jamais je pourrais toujours l'amener. Alors, on va faire ça. On va amener Zep là. Il va juste abandonner. Ça, ils étaient quand même 4, ils étaient 8. 8 contre 4. Bon. Ils étaient tout de même deux fois plus nombreux. Il y a de quoi soigner.
Alors, tu vas déjà soigner Cagnotte. Le plus important, je dirais. Il pourra pas tout utiliser. Tu vas prendre celui-là. Griffon, tu as de quoi te soigner. Vas-y, je t'en prie. Donc ça, c'est bon pour Cagnotte. Ensuite, il y aurait Nat également. Ouh, Griffon est tombé. Jean va pouvoir se soigner. Par contre, j'ai pas beaucoup de. Pour Nat, c'est bon. Maintenant, tu soignes Griffon. Jean n'en a plus beaucoup. Est-ce que je peux donner ça? Voilà, on était un petit peu mal quand même. Par contre, il y en a trois au sol. Ça va être un peu short, hein. Et Jean, tu vas prendre Griffon. On va laisser Nat un peu tout seul pour le moment. Donc, c'était Jean et Zep. Bon, ça s'est un peu mal passé, hein. Bon, enfin, c'est comme ça. Et puis Nat, on verra bien. J'espère qu'elle va pas croiser les esclavagistes qui passent dans le coin, parce que là, c'est foutu, hein. Mais je pense que je vais piller le lit, avoir quelque chose d'un petit peu plus confortable. Et puis, bah ce sera Zep, je pense qu'il va retourner. Jean, tu vas pouvoir te reposer. Et puis tu vas chercher Nat, tu vas mettre ramasser là-bas. Ben Nat, elle a encore des soins. Mais il va falloir que j'aille en racheter. Bon, ça va me prendre pas mal de temps quand même. Pour le moment, Zeb, je ne le vois pas encore. Ok, cet imbécile, il fait pas ce que je lui ai demandé. Donc on va l'amener de force. Donc normalement, il devrait faire demi-tour automatiquement, non? Même pas, ok. C'est bien, ça lui fera monter un petit peu sa force. C'est toujours ça de gagner. Nourriture, c'est bon. Il va quand même falloir que je tente aussi de voler les. De quoi soigner parce que ça devient assez compliqué. Cagnotte, qu'est-ce que tu fous toi? Tu dors, s'il te plaît. Hop, on est descendu à 20 000. Là, ça va bien. Ok, tu peux continuer à travailler Ninja Training. On va voir si on va pouvoir mettre deux, trois choses. Et il n'y a plus qu'à attendre. Donc Nat n'a déjà plus de nourriture. Bon, ça va me prendre un petit peu de temps.
Ah ouais, tiens. C'était où déjà? Escouade. Donc, le nom de l'escouade. Qu'est-ce que j'ai bien pour un maître? Je sais pas encore. Je verrai ça plus tard. C'est pas très important pour le moment. Comment fabriquer pas l'établi? Pour fabriquer les articles, vous devez construire un établi dans la section fabrication du menu construction. Les choses importantes d'abord, avant de commencer, vous allez devoir rechercher tous les bâtiments, équipements et schémas nécessaires à la fabrication, fabriquer un atelier de recherche pour apprendre de nouvelles compétences techniques et de fabrication, blablabla, ça je sais bien, merci. Griffon, toi t'as pas fini de te soigner encore, t'en es pas loin. Mais autant se mettre à fond. Je vais voir ici, donc du coup, dans training, s'il y a, il n'y a toujours pas le training et il n'y a toujours pas entraînement. Si, la training. Ah, ça c'est bien. Entraînement max, niveau 91. Assassinat. Athlétique. Lockpick. Je sais pas. Je sais plus ce que c'était ça. De la nage. Ah, la nage, oui, ça peut être intéressant. Et le vol. Il faudrait juste des matériaux de construction. Donc ça peut être très intéressant quand même. Je vais commencer aussi à mettre ça. Je vais m'entraîner un petit peu là-dessus. Va falloir aussi que je mette des lumières à l'intérieur pour que je puisse. Alors juste pour voir quand même. Lumière. J'ai que des torches extérieures. Et ça, les torches extérieures, je vais pas pouvoir, je crois, non? Si, à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Il va me falloir de la lumière pour qu'il puisse travailler correctement. Et tout ça demande également des matériaux de construction, si jamais. Torche murale, ça c'est pour l'extérieur, j'avais dit la dernière fois. Et sinon, j'avais aussi des lits, des petits lits. Mais je préfère les lits sans, enfin les lits un peu plus confortables comme ici. Et au pire, payer 54 supplémentaires, c'est pas bien grave. Griffon, lui, il est bon, il va pouvoir descendre. Et puis lui, il en est pas loin. Alors. Voilà. Déjà, tu vas pouvoir faire ça. On va mettre. Mais je pense que les entraînements, je vais les mettre en haut. Non. C'est ça. Alors, du coup. Est-ce que je mettrais plutôt ça? Alors ça du coup c'est du mode. Et ça, bah c'est la même chose en fait. Grande torche. Et torche extérieure. Ah bah d'accord. Je vais le mettre au centre. Et je vais voir ce que ça donne. Quoi, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouh, il y a eu bagarre apparemment. D'accord, ça va, tout va bien. Pas de panique. Toi, tu vas pouvoir venir aussi. Ensuite, il reste Cagnotte et Nat. Tout va bien se passer. Non, non. J'ai fait le con. C'était lui qui devait aider. Donc, c'est quasiment terminé. Ensuite, il lui reste donc un matériau de construction. Et j'aimerais fabriquer de quoi m'entraîner. La nage, ouais, bon, pour le moment. Mais pour le vol, est-ce que c'est vraiment niveau max 91? Parce que c'est, si c'est le cas, c'est quand même un petit peu cheaté là. Ce serait assez dommage quand même. Bon, c'est vrai que ce serait vraiment pratique, mais. Allez, on va tester ça. Et du coup, je vais entraîner Jean. C'est bien le vol, on est bien d'accord en entraînement. Vol. Ah ouais, c'est bien ça. Il va être compétence maximum 90. Bon, bah toi, tu vas faire ça un petit moment, hein, ma foi.
Ça va m'aider. Et puis il y aurait d'autres choses encore à construire. Alors par contre, cagnotte et punaise, ça c'est bon. Il va falloir que je descende et acheter un petit peu de nourriture encore. Mais ici, il n'a plus rien, il va falloir que j'aille ailleurs. Et bientôt, au lieu d'acheter, bah, va falloir voler. Par contre, je vais avoir besoin de ça. Je crois que Nat, ouais, Nat en a encore. C'est Griffon qui n'en a plus. Ils aiment quasiment pas. Blindage, machin, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Ok, c'est très bien. Du coup, c'était Griffon ou pas? On n'avait plus rien. On va aller chercher des matériaux de construction juste à côté et voir un petit peu s'il y a également de la nourriture à récupérer. Et sinon, on va pouvoir aller visiter d'autres choses qui seraient peut-être assez intéressantes. Faut aller là. Alors, nourriture 21, donc là, tu as ce qu'il faut, c'est tant mieux. J'ai une lui en donner deux. Ben ça va, ça coûte pas trop cher. Un autre aussi deux, puis moi je vais en reprendre un autre qui est de côté. Des soins ici, ça nous coûte franchement pas cher. Comme ça au moins je me fais un petit stock. C'était qui Griffon qui était avec moi. Ok. Comme ça on a de quoi se soigner. C'est nickel. Si je repars, je pense que je vais repartir directement avec avec Jean. On va y aller en mode furtif. Par contre, c'est Jean aussi qui devrait s'entraîner du coup. Ouais, ça monte. Et Jean s'entraîne déjà. Et normalement, quand même assez rapidement. Niveau 20 en vol. Soit je laisse Jean s'entraîner là-dessus pendant un bon moment. Et moi je repars descendre, me tenter les bandits poussières. Mais je pense que je vais faire ça en fait. Je vais faire ça. On va laisser Jean tranquille. Et nous, on va redescendre, on va retenter un peu les bandits poussières, mais cette fois-ci, on va tenter. Quelques personnes, mais un petit peu moins nombreuses, quoi, quand même. Bon, du coup, c'est pas besoin, c'est pas la peine que je me mette, enfin, que j'entraîne le furtif, vu que j'ai Jean avec moi, ce sera lui ou elle, je sais plus si c'est un homme ou une femme, en fait. Ou plutôt mâle ou femelle. Nat c'est un peu lente. Elle est chargée ou quoi? Léger. Léger et Jean. Non, c'était Griffon sans poids. Ok. Alors, eux étaient là. Donc Nat et Griffon. Vous allez là et moi je vais tenter d'attirer quelqu'un. Ils sont 3, 3 contre 3. Allez, on va tenter ça. Allez, j'ai envie de voir la bagarre quand même en live un petit peu. Comment ça se passe? Voir si Cagnotte il se débrouille quand même. Ouais, 2 contre 3. Elle s'est fait avoir en traite quand même. Hein. Prends voir celui-là. Alors, Cagnotte se débrouille quand même pas trop mal, hein.
Mais tout le monde s'entraîne, ça c'est bien. 27 en défense, 19 en attaque. Qui c'est celui-là? Ah, mais c'est encore deux. Griffon, il prend hein, quand même, il prend cher. C'est surtout Nat qui prend cher. Bon, allez. Ça va être un petit peu trop long, on accélère quand même. Ok. Donc, soin. Et puis, on va récupérer un petit peu tout ça pour revendre, toujours. Ce sera pour Griffon, je pense. Ok. Cagnotte est blessée au bras gauche. Elle a la poitrine. Et lui, ça peut aller encore. On va tenter de s'en faire encore d'autres. On y va, on y va, on continue jusqu'à ce qu'on tombe. Ah, mais par contre, il est quand même bien blessé. C'est-à-dire donc pas assez rapide. Voilà, prends-en un. J'ai juste ramené les autres s'ils font pas déjà demi-tour. Ok. Au combat. Ouh, on va se faire péter la gueule. Bon, c'est pas grave. Au moins, on va se retraîner un petit peu. Je pensais pas qu'il serait autant. Alors, Zep et Jean, vous pouvez venir. Oups! Ah ouais, d'accord. En fait, c'est... D'accord. Je ne pensais pas... Vous allez là-bas, vite fait. On va faire le tour. Ah, ils font demi-tour. Par contre, inconscient, inconscient, inconscient. Pour le moment, ça va. Mais il va falloir faire attention quand même. En fait, c'était tout simplement. Ils n'étaient pas partis, ceux-là, de. Du camp, il me semble. Et là, ils sont quand même très nombreux, hein. Merde, il se bat encore, mais il est courageux! Merde. Ça va, tout va bien. Oh, Griffon encore! C'est bien, comme ça il s'entraîne beaucoup. Il s'entraîne de mieux en mieux. L'autre est fortement blessé quand même. Par contre, eux, je crois qu'ils n'ont pas besoin de soins, mais c'est pas grave. Juste pour voir. Déjà, on va faire ça. Et puis ça. Et puis Nat, tu vas pouvoir donner à Zep. Ah, ok. Alors Zep, tu vas soigner Cagnotte. Et Griffon, tu donnes à Jean. On est bon. Jean, tu prends Griffon puisque t'es dessus. Zep.
Tu prends Cagnotte. Bon, c'est pas mal que j'en laisse deux quand même de côté. Il va falloir que je recrute encore une ou deux personnes. Ça va me coûter un petit peu plus cher en nourriture, mais au moins on sera un petit peu plus efficace tout de même. Il va falloir également que je... Non, je crois que lui ça va, mais c'était Jean, quoique Jean, je vais le laisser habillé comme ça. Il y a juste des chaussures qu'il va falloir que je change quand je vais la faire voler. Sinon, on va se faire repérer trop facilement. Jean est en déplacement. Cette fois-ci, c'est bon. Donc voilà pour quelle raison il ne faut pas être trop proche non plus hein, du campement, parce qu'après c'est la merde pour les récupérer. Allez, tu ramasses et tu repars. Ok. Bon, apparemment Nat c'est bon maintenant, mais c'est pas grave, on va la faire. On va tout de même la soigner. Elle s'est réveillée normalement. Cagnotte aussi. Au lit tout de même. Griffon pareil. Ok, et Jean, toi tu continues l'entraînement. T'as plus de nourriture, mais ça va. Zep, toujours au travail également. Il a encore une ration. Et pour le reste, il va falloir revendre. Et on va attendre encore un petit peu. Donc c'est très long quand même au début, c'est dingue. Ouvert au public, non. Ah, le hub, oui. Par contre, ça, c'est pas public, ça, c'est privé, hein. C'est pour ça que l'autre il s'était permis de rentrer, c'est pour ça, juste. Par contre aussi, je sais pas pour quelle raison est-ce que les autres bâtiments ne sont pas achetables, ça c'est dommage. Non, c'est peut-être pour éviter qu'on s'installe trop là-dedans, qu'on fasse une base dans cette ville. Parce que là, il y a vraiment que ces trois bâtiments et je trouve ça assez dommage quand même. Ah, prison. Donc là par contre ce qui va être pratique, c'est quoi? C'était cannibale. Donc ça c'est un poteau pour prisonnier. Mais c'est pas ce que je vais construire. C'était où d'ailleurs? C'était ça. Nickel. Et ça je compte construire ailleurs, peut-être là-dedans en fait. Ça pourrait être pas mal. Du coup, je vais pouvoir prendre des bandits poussières, les soigner, les mettre en prison, attendre un petit peu. Il faut de la nourriture, si je me souviens bien, de la nourriture sur soi, lui donner un petit peu de nourriture. Il sera plus enclin à nous rejoindre. Donc en général, je prends des chefs de groupe, bandits poussières, ils sont un petit peu plus costauds. Et je vais pouvoir recruter directement des personnes. Avec des statistiques un peu plus importantes que de simples vagabonds que je recrute ici, quoi. C'était pas lui que je voulais recruter. Ah non, c'était un pirate, juste. Allez, ils sont bientôt soignés. Par contre, le campement en bas, va falloir que je me le fasse avant que j'aille
me faire le roi poussière ou tenter de me le faire, évidemment. Ok, allez, c'est tout bon. Nous sommes soignés. Maintenant, il me faut de nouveau de la nourriture. Et puis de la bouffe aussi. Là, on est bon. Nat. Nat. Ouais, non, là, elle est quand même. Il faudra quand même qu'elle se protège un petit peu plus. Je vais quand même le changer avec ça. Ça, je peux en vendre. Ça également. Et puis racheter un petit peu de nourriture. C'était qui? C'était Griffon. Mais c'est bon, on en a là. On en a. Il n'y avait que Jean qui n'avait plus rien. On va falloir lui acheter quelque chose. On va lui acheter ça. Et puis Zep également. Non, ça va. Allez, on va quand même lui racheter ça. Allez, 3. Pour des soins aussi, est-ce que tu aurais quelque chose de plus intéressant? Des livres également. Il faut que j'en rachète. Matériaux de construction. Je vois pas trop ce que je peux construire si jamais encore. Parce que pour la cage de prisonnier, il me semble qu'il me faut du fer. C'était Zep qui n'avait plus rien. Non, c'était Jean. Jean, je vais lui en donner deux. Et Zep, je vais lui donner un. Comme ça, ici, on est tranquille un petit moment. T'es à quel niveau maintenant? Niveau 36 en Val? Bah, dis donc. Ça va le faire, hein. Par contre, j'aimerais bien que Jean me suive un petit peu aussi. Allez, c'est parti. On y va à 4 cette fois. Non, ça va pas forcément changer grand-chose, mais... Ah oui, par contre, ce qui va changer, et ça va être assez radical, c'est que s'il n'y aura que Zep qui va pouvoir nous récupérer 1-1, 1-1-1, donc ça va être un peu plus compliqué. On va quand même regarder s'il n'y a personne pour le moment. Il n'y a pas de groupe qui marche dans le coin. Non, ça va. Alors, c'était Nat, Griffon et Jean. Hop, vous allez là-bas. Moi, comme d'hab, je vais tenter d'en attirer quelques-uns, mais pas trop non plus. Bon, lui, il est tout seul. Ils sont de... Ouf! Demi-tour, absolument. Là, ils sont trop nombreux. On va faire demi-tour jusque-là. On va se battre ici. Au moins qu'on se fasse péter la gueule là, quoi. Et pas trop bas. Ça se passe pas trop mal, Cagnotte, il résiste bien, c'est bien. Par contre, il est en train de prendre cher, le sang surtout. Ouh, le sang, il est en train d'en perdre beaucoup. Tu te bats contre qui, toi? Cagnotte, tu vas où, toi? Non, non, non. C'est qui est en bas là-bas? Non, non, non. Ah, il nous attaque? Non, ça va. Donc là, on se soigne absolument. Ah, franchement, j'aurais pas cru que... On se soigne. Griffon, tout ça là. Ok.
Alors, Nat, tu vas prendre un petit peu. Bon, ça ira. Jean également. Short, short, short. Ok. Cagnotte est en plein soin. On n'aurait pas un body poussière chef? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Celui-là a déjà été fouillé. Ah, si, là, chef poussière. Donc, c'est-à-dire que là, nous avons un meilleur staff. 24-39. Là, j'ai mieux. Ici, c'est pareil, mais je vais pouvoir changer le staff à quelqu'un. Et puis ça, je vais mettre là pour prendre ça. Nat, t'avais quoi? 58, 10, 90. Donc c'était Zep qui avait moins bien. Ah bah non. Il avait même mieux. Et Jean, d'accord. Donc. Griffon, il va pouvoir mettre quelque chose d'un petit peu plus lourd. On va l'équiper un peu plus correctement. Le 5, 8, 60. Ouais, quand même, hein. Mais il sera plus lourd. Je vais prendre cagnotte pour le transport. Et ensuite, on peut encore fouiller quelqu'un là. Lui, par exemple. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Là, je peux pas prendre grand-chose. Ah. Ah, mais non, c'est pas Zapoid. Tout à fait normal. Lui peut prendre encore un petit peu. Et c'est tout. Allez, c'est parti, on rentre. Là, franchement, ça s'est plutôt bien passé, je trouve. Ils étaient tout de même assez nombreux. Donc là, on commence à se démerder. On commence à savoir se battre. C'est plutôt bon. Du coup, Griffon, il est bon. Mais je vais augmenter la force quand même de Cagnotte. Autant en profiter. Allez, il me reste. J'ai resté encore 10 minutes max. Bah, ça sera du soin. Du soin pour tout le monde. Normalement, en nourriture, on est bon. Parfait. Tout s'est bien passé. Maintenant, Zep. Lui, par contre, il a fini du coup. Il n'y a plus de recherche. Ah oui, j'avais pas acheté des livres. Bah, bien sûr. Ah, dis donc, il arrive à passer à cette distance, c'est plutôt bon. Du coup, avec 3, je vais voir ce que je peux faire comme recherche. Cuisine, cuisine, four, bon, ça prend la main, c'est pas la peine. Bannir, on s'en fout. Crafting, défense. Ça, par exemple, un mannequin attaque mêlée. Ça, c'est les trucs simples, donc ça va jusqu'au niveau 10, je crois, ou 5. Donc, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Fabrication de tissu, création d'armes basiques, forgeron industrie, plaque de fer, mine pierre améliorée, technologie de la ruche, petite maison. Donc, ouais, il va falloir que je fasse petite maison.
va partir là-dessus. Et après, il va me falloir 6 livres pour technologie niveau 2. Je puisse construire la suite. Là, c'est bon, toi, tu es en forme. On va pouvoir commencer à revendre. Tout ça. J'avais dit que ça, c'était bon. Ils avaient mieux. Ça, c'est bon. Ensuite, Griffon. Ça va être tout le reste. Et notre ami Jean également. Ok. On est remonté à 24 000. Nourriture. Toujours la nourriture qu'il faut regarder. Pour le moment, on est bon. Et je pense que je vais tenter quand même le vol avec Jean. Du coup, le vol au niveau 37, c'est quand même pas mal du tout. On va tenter du vol simple. Par contre, t'arrêtes de me suivre. À 90% de chance. Ça, c'est ce que je viens de revendre, apparemment. On va juste aller voir là-bas. Alors, j'ai pas volé parce que voilà, mais. On a des 4. Bon, il n'y a pas ce qu'il y a de plus intéressant. C'est moi, j'aimerais bien voler, c'était des soins. Combien ça vaut ça? Bah, ça vaut pas très cher. 102%, 131%. Elle est bonne en vol, elle est bonne. On va quand même sauvegarder un petit coup. Au cas où. Parce que même si c'est à 130%, ça ne veut pas dire qu'on va réussir. Et ça, je pourrais revoler pour revendre derrière. Ok. Trente-sept, du coup, bah, la montée de niveau, c'est très bien. Donc en vol, on est bon. Je vais pouvoir, du coup, passer en ville. Dans une ville un petit peu plus importante pour que je puisse voler quelque chose de plus intéressant surtout. Ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre Zep avec nous. Zep en défense, garde du corps de Cagnotte. Et je vais me déplacer. On va retourner un petit peu, on va voler chez les religieux là-bas. Déjà. Ah, par contre, il y a un petit souci, c'est Jean. Ah, je sais pas si je vais pouvoir rentrer avec Jean. On va tenter quand même. Ça, on va revendre ailleurs du coup. Ok. Donc nourriture normalement c'est tout bon sauf pour Nat. Voilà. Allez c'est parti. On va faire un tour par là-bas. Par contre je vais avoir un problème avec Jean parce qu'ils apprécient pas du tout ces personnes-là. Pour eux ce ne sont pas des humains et ils n'ont pas droit de vie. Mais je crois que je peux discuter avec eux. Pour pas qu'il y ait de problème. On va voir ça tout de suite. On va quand même sauvegarder. J'ai pas envie de m'emmerder avec ça. Ce serait un peu bête. En plus c'est une voleuse ou un voleur. Donc on va voir comment ça se passe avec Jean. Mais ça va être assez rock'n'roll, je crois. On va voir. Hein. Je te surveille, toi.
Contrôle Tibet. Ils ont intérêt à bien se tenir chez nous. Ah voilà, ok, ça va. Ici, c'est quelle heure en fait? 22h15 normalement. Les magasins ferment. Ce qui m'intéresserait, ce serait un peu tout, surtout les armes aussi. Où est-ce qu'il y a? Les armes sont là, je crois, c'est ça, non? Non, ça c'est les armures. Où sont les armes? Est-ce que c'est noté comme ça? Ouh, le son est un peu fort là quand même, hein. Nourriture ici, ça c'est un autre bar ou pas? Non, je crois pas. Non, c'est un temple. General Shop, General Storage, Mechanical, donc mécanique ici. C'est une résidence. Là, c'est normal, oui, non. C'est pas ça. Et c'est dingue. Ah, mais je crois qu'ils n'ont pas ici de. Ils vendent pas d'armes ici. D'accord. Là, par contre, pour aller voler, ça va être un peu plus compliqué. Là, il y a vraiment trop de monde. Et les sentinelles sacrées, là, ils sont vraiment partout. J'ai tenté. Ouais, non, mais c'est pas bon. Non, non, faut tenter là-bas. Ah, ils viennent de fermer, non? Ouais, exactement. Quelle heure il est? Eh ben, il va falloir que j'arrête. Bah écoutez, ce sera pour la prochaine fois, je pense. J'aimerais bien voler là-dedans, c'est pour les sacs, surtout. Surtout pour les sacs. Mais là, c'est un peu compliqué. Il y a vraiment trop de monde. Ça se promène de partout, je vais pas pouvoir rentrer comme ça, malheureusement. Là, ça va être le même problème. C'est le même problème partout, de toute façon. Donc, on verra bien. Là, je sauvegarde. Je me suis quand même un petit peu amélioré. 21, 30, 14, 14, 8, 6. Donc Zep, évidemment. Lui, c'est la science, surtout qu'il a monté à 38 quand même. On n'est pas trop mal. Ok. C'est sauvegardé. Je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et la prochaine fois, je ne sais pas si je vais faire du vol, surtout pour des sacs. Mais sûrement en journée quand même, je vais tenter. Et puis après, on va peut-être aller explorer un petit peu la zone du golfe d'Ocrane, voir la fierté d'Ocrane aussi par là-bas. On va voir comment ça se passe. Donc voilà. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!